Accrochez votre ceinture, vous êtes sur Retro Game Future. Allez, c'est parti pour ce G.I. Joe. Alors, je vous cache pas, ça sent le nanar. Après, de temps en temps, un petit nanar, ça peut être sympa quand même. D'ailleurs, je sais pas trop pour qui ça se destine, parce que G.I. Joe, c'est plutôt vieux. En tout cas, le dessin animé était vieux. Après, il y a eu des films qui sont plus ou moins récents, mais... Est-ce que c'est pour les trentenaires, les quadras? Ou est-ce que c'est pour les jeunes? J'ai plutôt l'impression que c'est plutôt pour les plus jeunes, mais... Allez. On va voir ça. Bon, bah le menu est long à se charger. Ok. Donc on a le choix campagne, combat en équipe, celui qui sait à à moitié gagner. Option crédit. Alors ça me titille ça. Celui qui sait à moitié gagner. Ça sent la traduction foireuse quand même. C'est quand même bizarre. Il y a des biographies, des choses à débloquer. D'accord. Ah, le design, quoi. Le design du nanar, quoi. Ça fait vraiment, ouais, comme le dessin animé des années 80. Mais on va se lancer dans une campagne. Allez. Solo ou coop. Alors oui, effectivement, il y a un mode coop à deux joueurs en écran splitté, pas en réseau. On va lancer solo avec un partenaire, une IA en partenaire. Ouais, bah allez, mission d'entraînement, c'est bien ça. Difficulté. Alors j'ai tendance à mettre les jeux en facile, mais là, vu le jeu, je vais être foufou, je vais jouer en mode G.I. Joe. Ouais, allez, c'est parti. Temps de chargement, ouais, ça vaut le coup d'être sur cartouche, hein, Léon. Je me demande si ça a pas planté d'ailleurs. C'est bizarre quand même, c'est quand même vachement long. De ce que j'ai vu, des captures d'écran, des choses comme ça a pas l'air fou techniquement quoi. Donc t'as ce temps de chargement de malade quoi. Ça a planté ou quoi? Wow. Okay, why am I here again? Well, I don't want to spoil the surprise. Il me So crie dans les I've oreilles. been working hard on a little project of ours, you know? Uh-huh. And we reached the point. Attends. On va baisser le son parce que là, ça va pas être possible. Audio. Volume des voix. Ready to strike. Ready to strike. Ready to strike. Ah ouais, ça me tue les Ready oreilles to quoi. strike. Ready to strike. On va mettre comme ça. Point where we need a little dedicated help from a good soldier. That's you. C'est pas beau du tout, hein. C'est vraiment. J'ai l'impression de jouer à un jeu Nintendo 64. Mais sans déconner, hein. Oh. C'est. Bah, c'est flou. C'est flou et les textures sont bah, dégueulasses quoi.
Ah ouais, quand même. Ah ouais, là, il y a du niveau, quand même. Oh, putain. Mais ça peut être fun. Ça peut être fun. Alors, allons voir. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est des copains ou je leur tire dessus? Ah non, c'est des copains, ça. Ta-da! What am I looking at? You know how Cobra always sends these robots against us? Yes, I'm usually there. Well, yes, we've been trying to iron out the AI, and that's when it hit us. Why program them to be soldiers when we can teach... Mais il me tue les oreilles encore, hein. Non, mais je suis obligé de baisser le son, c'est pas possible. Ready to strike. On va être deux. That's where you come in. Ah, c'est un peu mieux. All you have to do is show them some of those moves you got. Well, I could use the exercise. Let's do it. Ok, alors, R pour s'accroupir et B pour sauter. Voilà, il passerait, hein, limite, hein. Bon, voilà, on va se baisser, c'est le tuto. Et là, on saute. Ouais. Sprint, esquive. Ok. Esquiver pour vous mettre à l'abri, chaque personnage obtient un bonus différent après avoir esquivé. Tirer, viser, ouais, donc les trucs classiques. Attaque de mêlée. Ah, petit coup de couteau. On va voir les armes de contact, ce que ça donne. Rechargement et rechargement rapide. Quand vous rechargez, appuyez à nouveau sur la touche de rechargement au bon moment pour effectuer un rechargement rapide. Ah bah en fait c'est gros foire quoi. Et donc il y a des grenades aussi. Ok. Alors regarde si je recharge. Ok. Et une grenade. Et avec les croix, la croix directionnelle, donc on change d'arme. Interagir. Tester vos compétences. Oh. Coup ultime. Chaque personnage possède un coup ultime unique qui peut renverser le cours de la bataille. Gardez un œil sur votre jauge de coup ultime pour savoir quand vous pouvez l'activer. Ok. Ah d'accord. Ouais. Ça lance une grenade un peu bizarre. Oh, la maïmité est correcte, hein. Mais bon, niveau punch, c'est pas vraiment ça. Les ennemis, on est vraiment très cons. C'est pas beau du tout, hein. Ouais, super tuto. Mission suivante. Bah ouais, ouais ouais. Bon bah en même temps, je m'y attendais un petit peu. Hein. On va pas se mentir. Ça sentait quand même pas super bon. Mais ouais ouais. Alors peut-être que sur PS4 et Xbox One, la résolution fera que ça sera un peu plus passable. Mais là, c'est vrai que sur Switch, bah c'est vintage quoi. Hein. Et voilà. On se retrouve quasiment 15 ans ou 20 ans auparavant. On va pouvoir choisir des méchants là. Storm Shadow ou Cobra Commander. On va prendre le Storm Shadow. On peut changer l'apparence des armes, mais bon, c'est ok, d'accord. Et l'apparence du personnage aussi. Mais c'est ok. Ok. Prêt pour le combat.
Alors, est-ce qu'on va se taper encore un temps de chargement de fou? Parce que peut-être que c'était que pour le tuto. Ça m'a l'air un tout petit peu plus court. Status report, dial tone. All teams have reached their rallying points across the globe and are prepared to engage Cobra forces. Tell them to keep holding, but to take any action necessary to defend themselves. Scarlet reports that the Cobra forces in Japan are keeping their distance. C'est kitsch au possible. Roadblock in Death Valley, Gung-ho, Shipwreck and the other team leaders. Après, bon. Voilà, c'est Jeju, hein. Donc ça, à l'arrière, ça me dérange pas trop, ces petites scènes animées un peu kitsch. On va dire que c'est dans l'esprit du dessin animé de l'époque. Not a missile, a crash satellite maybe. Flag, come in. Cobra bats everywhere. We're completely outnumbered. Their parachutes. Ah, puis alors, les acteurs. Super. From all teams. I can't patch them in. Too much interference. Something is jamming our signal. Joe! Oh, le truc kitsch, quoi. Commander, our paratroopers have cleared the bow of the flag. We can move in the rest of our forces now. Excellent. Everything is going according to plan. Et la vraie voix du méchant, quoi. The flag will be under our control. Storm Shadow, is your team ready? Yes, Commander. We will gain access to their network and use the flag to take control of the G.I. Joe's satellite system. Alors j'ai vu les dessins animés à l'époque, mais alors je me rappelle pas très très bien. J'imagine que ça doit être les mêmes personnages. Je me rappelle du grand chef, du grand méchant. Mais après, du héros aussi, et les autres, moins. Ah oui. Voilà pourquoi le temps de chargement était peut-être plus court, c'est parce que c'était juste pour la séquence animée. Maintenant que ça a chargé le niveau. Je sais pas si je couperai au montage, peut-être pour vous montrer justement les temps de chargement, je pense que je vais les laisser. Parce que c'est un truc de fou. Quand tu penses qu'un jeu comme Ghost of Tsushima, qui est magnifique, les temps de chargement, il dure 4 secondes. C'est un monde ouvert. Hyper beau. Et là, ça met 3 plombes pour afficher des graphismes dégueulasses. Tout va bien. Optimisation fait avec les pieds, quoi. Putain. Ah, il faudrait que je chronomètre tant que ça met, c'est un truc de malade. Ah, on joue les méchants, c'est bien ça. On peut pas monter là, non? Ah! Ouais, on peut pas se mettre en couverture spécialement. Ah, lui, il fait des esquives un peu différentes de Duke. Oh, les bruitages, quoi. Alors, il tire vraiment, lui, ou pas? Ou est-ce que je fais tout le boulot tout seul? Il n'y a pas des trucs planqués là. J'ai cru voir un bug de... Non. Un bug de texture. Je
Et le mixage sonore, en plus, il va pas du tout, quoi. Les avions qui passent, ça fait trop de bruit, quoi. Et attaque au corps à corps. C'est un sabre. Ah, j'ai mon attaque spéciale. On va tester l'attaque spéciale. Ah, une nouvelle arme. Comment je fais pour la prendre? Hop. Voilà, c'est mieux ça. Ah, le bruit des avions, quoi, c'est horrible. Allez, attaque spéciale. Ah, d'accord. C'est con, c'est une attaque à faire au corps à corps. Non mais les textures quoi. Truc de fou. Aïe, pousse-toi là. C'est mou du genou, quoi. Ah, c'est pire que ce que je pensais, hein. Ah, mur invisible. Ok. Utiliser les canons anti-aériens pour détruire les Sky Strikers. Petite séquence de shoot là. Toujours aussi long. Quand on explose les avions, ça fait pas de bruit quoi. C'est bizarre. Ils me déchirent les oreilles quand ils passent, mais quand je les explose, il n'y a pas de bruitage. Tout va bien. Feel my fury. Boom! Si je peux passer. Ah putain, je suis nul en plus. J'ai pas visé. Faut que je pense à lancer des grenades aussi quand même. Ah, il y a encore des canons à utiliser. J'ai cru entendre une explosion. Au moins une. Oula. Evacuate the premises. This is not a drill. Women and children first.
Allez, vise. Ennemi en approche. Ah, peut-être un boss. Ah non. Ah, les mecs, ils se téléportent, tout va bien. Ah, il y avait une explosion qui était correcte. Une explosion qui était sympa. Et ça, c'est quoi, ça? Merde. Faut que je fasse gaffe quand même à mon bouclier. Ouais, on est sur un Gears of War, sur Nintendo 64, quoi. C'est un peu ça, quoi, le délire. Ah voilà, un boss. T'as une attaque spéciale. Boum. Oh, ça a pas fait super mal. Grenade. Yeah, salopard. Oh putain, quoi, il fuit comme un hache, quoi. Ah, mais encore... encore des canons. Non, ce n'est pas du tout répétitif. Ah, ça y est. On va pouvoir rentrer... dans le porte-avions, dans ses entrailles. En fait, c'est débile parce qu'il y a... Il y a des endroits pour se planquer, mais... Y a pas de système vraiment de couverture où on peut se caler, quoi. C'est très basique. Ah, plus de bouclier. Ah, j'ai intérêt de me planquer. Oh ! En plus, si je suis nul, ça va pas le faire. Hein. Oh ! Ah, bordel ! Oh ! Oh merde, j'ai crevé. Oh là, la loose. La loose de perdre sur G.I. Joe, quoi. Ah, c'est de la vie, ça, non? Je crois. Ah, voilà, c'est bien, ça. Interagir avec la console. Capturer le... Ah d'accord, c'est un capture the flag en fait. Les mecs, ils se téléportent, tout va bien. Ah, j'ai pas de grenade. J'ai plus de grenade. Boum.
Faire péter ça là. Oh là là. Vas-y, ramenez-vous. Boum. Bon, c'est pas trop compliqué quand même. Tiens, je vais refaire un... Ah non, la portée elle est pourrie en fait. J'ai fait une grosse connerie. Ouais, finalement, ce coup spécial, il est vraiment merdique, hein. Merde. Et j'ai loupé mon chargement. Je vais chercher de la... Oula ! L'autre qui se ramène. De la vie, de la vie, de la vie ! Il est où ? Duke. Wow, 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 wow. Alors lui, il cherche pas à se planquer, hein. Il fonce dans le tas. On my target. Eh, j'ai pas de grenade. Et t'arrêtes de me foncer dessus, là. Ça, c'est quoi, ça? C'est des grenades ou pas, ça, en fait? Je sais pas capter ce que c'était. Non, c'est des munitions, ça. Aïe, 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 aïe. Tiens, tiens, tiens. Merde, je prends cher aussi. Ah, c'est bon. J'ai fait le bourrin. Atteindre le pont. Là, c'est là-haut. Bon. Bah, niveau vie, c'est pas... C'est pas ça, hein. Oh là, mais... Y a pas de texture, en fait, on dirait. C'est quasiment des aplats, quoi. Bon, en tout cas, si, c'est des textures, mais la résolution, c'est... C'est ouf, quoi. Quand on voit... Oh, c'est méga flou. On se demande ce que ça charge pendant 3 ponts, hein. Ah, faut encore que je remonte. Ah, y a un truc à prendre, là. Y a un secret. Comment je fais pour choper le secret? Je peux pas sauter, là? Ah, si, c'est rien. J'ai récupéré un skin, on dirait. Par contre, là, maintenant, je fais comme un couillon. Non ? Ah ouais. Oh putain. Oh, tout va bien. Le mec, il est tombé de 10 mètres. Mais ça va. Allez, on monte. Ah ouais, il y a une grenade là, très bien. Non. Ah, grenade encore. Non. Je suis au max. Oula, c'est quoi ça? Attends. Ah, voilà, quand même. Et si je pouvais choper de la vie, ce serait pas mal aussi, quand même. De life, voilà. Oula, 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 oula. Ah, faut que je détruise des trucs. Détruire tous les dispositifs, ok? Ils sont où ces putains de dispositifs? Là. Merde, je vais être à côté, je les ai pas eus. Ah là, d'accord. Et les autres sont en haut.
Bon, c'est jouable, c'est maniable. C'est déjà ça. Mais le reste... Ouais, c'est même pas du 60 images par seconde. Oula! Oula vache! Merde! J'ai fait le bourrin. Game over. Ah, je recommence là, heureusement. Bon. Donc la technique du bourrin, faut éviter quand même. Ah merde, c'est mon pote. Brancher l'appareil de liaison. Ah. Encore lui là. Avec les textures qui se chargent en plus. Tiens, prends ça. Oh voilà, je l'ai éclaté rien qu'avec les grenades. Aïe, merde. On my target. Merde, enfoiré. Je fuis comme un lâche. De la vie, de la vie. Bon, puis le chef là, il fait quoi là, le grand chef? Putain, je prends cher, hein. Ouais! Tiens, tiens! Allez, faut en finir là! Finish him! Il va faire quoi maintenant là? Ah, mission réussie! Eh ben! Wow! Je m'attendais à un truc quand même pas terrible, alors là j'avoue que. On va laisser la petite cinématique quand même. Oh d'accord, ils ont fait un blackout. Once Cobra activated the blackout sphere, it knocked out all electrical equipment throughout the globe. Only Cobra's own assets, equipped with special blackout drives, were immune to its effect. With little effort, on what came to be known as C-Day, Cobra forces defeated the G.I. Joe strike team sent to engage them across the globe. Ah d'accord. Ah, ils ont chopé toutes les capitales du monde. D'accord. Et même la Maison Blanche. Genre, c'est le président du monde, quoi. Enfin, le dictateur du monde. Bon. Je vais passer. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que voilà, c'est déjà un gros effort d'avoir fait cette vidéo. Bah voilà, on savait un petit peu à quoi s'attendre. Enfin, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi catastrophique techniquement. Voilà, après, en solde, histoire d'avoir un petit nanar, pourquoi pas. Voilà, d'ici quelques temps, mais ouais, ça risque de pleurer dans les chemières pour ceux qui ne s'attendent pas à ce qu'ils achètent. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut et à vous abonner. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.